Les amis, ça va pas du tout. Là, je suis en retard à l'école. Il est déjà 10h du matin. Normalement, j'aurais dû arriver à 8h. Je pense que le prof, il va être en colère. En plus, ce matin, il y avait une évaluation. Il nous a dit, le premier qui arrive en retard, il est puni 1 heure de colle et il a pas de récréation pendant 1 semaine. Oh là 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 là. Mais bon, heureusement, monsieur Foufou, il est pas trop méchant. Normalement, ça devrait passer. Du coup, j'ai pris la caméra en espérant que ça sera pas trop. Bon. Bonjour. Bonjour, monsieur Foufou. Bonjour, monsieur Foufou. Monsieur Foufou. Ah, t'es qui, toi? Ah, tu dois être Esteban, l'élève le plus nul de la classe. Mais vous êtes qui? Bah, je suis la remplaçante de monsieur... du professeur Foufou. La remplaçante? Oui. Mais comment ça, la remplaçante? Qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Foufou? Bah, vous le rendez malade à force de faire vos bêtises. C'est moi qui le remplace. Il est malade? Oui. Mais j'espère qu'il va bien. Bah, ça t'intéresse pas. Allez, va à ta place. Bon. J'espère... T'es déjà en retard, là. Oui, Il y a une évaluation. J'espère que j'ai pas raté l'évaluation. Si, tu l'as raté, punition. Oh non, mais, non, pas de punition, s'il vous plaît. Mais si, c'est punition. Déjà, tu vas à ta place. Dépêche-toi. Quoi comme punition? Dépêche-toi, tu m'énerves déjà. Quoi comme punition? Eh ben, tu seras puni de récréation. Non. Si. Non. Pendant combien de temps? Une semaine au moins. Non. Si. Non. Hey. Désolé. Je serai pas en retard demain, promis. Je m'en fiche, tu crois que c'est les vacances? Ça sera pas les vacances avec moi. Monsieur, le professeur Foufou, il est comment, trop sympa. Comment avec vous appelez? Vous vous appelez comment? Professeur Fofolle. Madame Fofolle? Oui. Ok, mais vous êtes la sœur de monsieur Foufou? Tout à fait. Bon, ok. Et je suis plus strict. Allez. Si vous voulez, je peux la faire tout de suite, l'évaluation. Allez, va à ta place. Valentin. Oui. Tu me donneras toutes les réponses, d'accord? Non, elle va me crier dessus, sinon. Valentin! Va derrière. D'accord. Non. Je vais derrière. Mais non, mais pourquoi tu vas derrière? Parce que sinon, je vais être puni comme toi. Mais t'es mon copain de classe. Il m'a dit, tu vas tricher. Allez, mets-toi là. Non, promis, je vais pas tricher. Esteban, tu mets là. Ok, je vais là. Tu veux que je m'énerve encore plus? Je vais là, d'accord. Tu veux 2 semaines? Je pose mon sac. 2 semaines de punition. Je pose mon sac. Bon, par contre, madame, je vous conseille de pas aller voir dans mon sac parce que j'ai... Ma mère, elle a pas eu le temps de laver mon sac, du Comment coup... Comment ça? Non, mais allez pas voir ce qu'il y a dans mon sac, ma mère... Non. Tu me prends pour qui? Non, ma mère a pas eu le temps de laver ce qu'il y avait dans mon sac. Je fouille tous les sacs. Valentin, c'était On quoi... On sait jamais. C'était quoi les réponses pour l'interro de maths? Tu sais quoi? Tiens, c'est... Ornithorynque, ornithorynque, quacoubé, hippopitmania. Mais c'est écrit, mais c'est pas des maths, ça, c'est... Mais c'est... si, c'est les maths de Madame Fofolle. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Qu'est-ce que vous dites, là? Il voulait tricher sur moi. Quoi? Non, je ça m'étonnerait, c'est lui qui a fait l'interro. Ah, c'est toi, Valentin. Non. C'est quoi, ça? Non, c'était dans pas tes dans... affaires de classe. C'était pas dans mon sac. Des poupites. Non, c'était pas dans mon sac. Puni. Oh non, ça c'est... Ah, Huggy Wuggy, c'était pas dans mon sac. Eh ben, je confisque tout. Allez, non, hop. Non, laissez-moi au moins mes chaussons en forme de pied. Non, parce que j'ai oublié mes chaussures à la maison. Du coup, je dois les mettre ici. Valentin. Confisqué. Dis-lui de pas confisquer, s'il te plaît. Confisque-lui tout ça. Non, arrêtez de confisquer tout ce que j'ai. Voilà, tout est dans le coffre. J'ai promis, j'ai fait tous mes devoirs. Je m'en fiche. Oh non, pas dans le T'avais coffre. T'avais qu'à être à l'avance. Oh non, pas dans le coffre, s'il vous plaît. Allez, hop. Pas dans le coffre. Si. Il m'avait prévenu, mon frère. Mes amis, tout ce qui est dans le coffre du prof, c'est confisqué jusqu'à la fin de l'année. Et là, on est que au début de l'année scolaire. Ça veut dire que je vais pas avoir mes affaires pendant 9 mois. Bon, je vais essayer d'en récupérer 2-3. Voilà. Ah, mais attendez, je crois que j'ai les clés de ma maison à l'intérieur. La dame est en train de récupérer ses affaires. Non, ça je le garde. Comment arrête, ça arrête de me dénoncer. Rends-moi ça. Ça, je le garde. Mes amis, au moins, j'ai pu sauver mon petit fidget toy. Mon stylo licorne comme ça. Mon stylo poilu. Non, ça c'est à moi. Non. Arrête de prendre mes affaires. Qu'est-ce que vous dites? C'est à moi. Valentin. Valentin, à ta place. Madame, vous êtes là pour combien de temps? Professeur Fofolle, appelle-moi. Madame Fofolle, vous êtes là pour combien de temps? Jusqu'à temps que mon frère soit guéri. Allez! Oh là 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 là! Valentin! J'espère que monsieur Foufou est pas trop malade. Parce que s'il est trop malade, on va garder cette prof folle pendant des mois et des mois. Comment ça, je suis folle? Bon, c'est mon nom. Allez, va t'asseoir! Je vais m'asseoir. Il m'avait prévenu que t'étais nul, merci. Oui. Bon, Valentin. Quoi? T'arrêtes de me dénoncer, d'accord? Bah, si tu me dénonces pas. Comment ça, dénoncer? Arrête de me dénoncer. Non, j'écoute. Bon, madame, je suis prêt à faire l'interro de maths.
Bon. Hop, les amis. Au breton. Ne vous inquiétez pas. Quelle copie, au moins ? Oui, 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 oui. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. J'ai mon téléphone dans ma poche. Je vais pouvoir avoir toutes les réponses sur mon téléphone. Et comme elle est vieille, la prof, à mon avis, elle connaît pas les téléphones, elle connaît pas Internet, elle connaît pas les iPhones, tout ça. Donc à mon avis, je vais être tranquille. Bon, madame, donnez-moi l'exercice de maths. Alors, ben il est sur ton cahier. C'est quoi? T'as des yeux ou quoi? C'est quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais Lily Rose, elle a... C'est toi qui as écrit sur mon cahier ou c'est Lily Rose? C'est Lily Rose. Lily Rose, elle a trop écrit avant une page. Bon, c'est quoi la question du coup? Alors, addition. Oui, combien? 48. 48,7. 7. Multiplié. Oui. Tu connais les multiplications? Allez, multiplié par combien? Multiplié par 6. 6, c'est ça l'interro? Voilà. Ok. Oh, ça fait combien? 4. Pas de calculatrice. Mais non, ça fait pas 4. 43. Oui, madame, ouais. vous pouvez continuer votre cours, vous inquiétez pas, tu je fais ça. J'ai une demi-heure pour réfléchir. J'ai 30 minutes. Bon, écoutez les amis, je vais pouvoir utiliser mon téléphone discrètement. Alors, combien ça fait? Alors, 48,6, c'est ça. Alors, 48,7 plutôt. 48,7 fois 6. Valentin, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 292,2. Hop, 292, alors, j'écris ça, 2. Madame, j'ai déjà terminé. Comment ça, déjà? Oui, et sans tricher en plus. Le professeur m'a dit que t'étais nul. Ça fait 292,2. Hein? Et j'en suis sûr. Eh ben, c'est la bonne réponse. Mais oui, j'ai très bien révisé. Bah, t'es pas si nul que ça. Mais non, je suis pas nul. Bon, t'es intelligent. Madame, quand même. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est son téléphone, il a triché avec. Mais non, j'ai pas triché. C'est quoi ça? Non, mon téléphone. Tenez, je vous donne son téléphone. Mon téléphone, ça? C'est un téléphone? Mon téléphone. Pourquoi tu m'as balancé? Parce que tu m'as balancé aussi. Là, ça peut pas continuer. Valentin impuni aussi. Quoi? On dénonce pas ses copains. Quoi? Allez. Écoute, et pourquoi? Dans le coffre. Viens, Valentin, viens. Qu'est-ce qu'il y a? On en a marre d'elle, d'accord? Nous, on veut Monsieur Foufou, il était moins méchant. Moi, je le préférais. Du coup, tu sais ce qu'on va faire? À la fin de la journée, les amis, je pense que je vais reprendre la vidéo à la fin de la journée, cette nuit. Parce que elle dort dans la classe, c'est sûr. Monsieur Foufou, il faisait pareil, il dormait dans la classe parce qu'ils ont pas de maison. Il préfère rester à l'école. Cette nuit, on vient et on lui donne une boisson pourrie. Comme ça, elle est malade aussi. Ah mais oui, mais c'est on lui donne des chocolats pourris, comme ça, elle tombe malade et demain, elle vient pas. Okay. Et c'est Monsieur Foufou qui revient, d'accord? Ça, c'est super. On fait qu'est-ce ça que vous, dès ce soir. Qu'est-ce que vous non, non. Bah, madame, on est en train de dire qu'on vous aime beaucoup. Comment ça? Et on voulait vous donner... Voilà, on voulait vous offrir ça. Voilà. Bon. Et un cactus aussi. Et un stylo cactus. Bon, c'est bon pour une fois. Allez, asseyez-vous. Oui, on s'assoit. On s'assoit. Hé hey, les amis. C'est la fin. On se retrouve. Aller chez on vous. Se retrouve. Ah, c'est déjà la fin? Oui, vous avez fait bon, votre les amis, on se retrouve cette nuit. Et on va la piéger. Allez, allez, allez. Mais pourquoi tu veux faire ça? Bah, je sais pas. Mais on va te reconnaître quand même. Les amis, il veut mettre une cagoule pour pas qu'on le reconnaisse dans la classe. Bon, là, les amis, il fait nuit. Donc, vous voyez, il fait bien nuit, il fait bien noir. Il est 1h du matin. On a essayé de convaincre Lily Rose de venir avec nous, mais elle veut pas d'embrouille. Elle veut pas avoir de problème avec le collège. Du coup, elle veut pas venir pour le prank ultime. Vous allez voir, on a tout prévu. J'ai prévu un sac, dedans on a mis une boisson maudite, une boisson pourrie. C'est un truc que la sorcière nous avait donné. Et c'est quoi cette tête? Regardez-moi ça. C'est une boisson, dès que vous la buvez, après vous devez aller aux toilettes toutes les 2 minutes. C'est sûr qu'en buvant ça, elle ne viendra pas à l'école demain. Elle va nous laisser tranquille. Et demain, ça sera Docteur Foufou. Et on pourra de nouveau faire le bazar en classe comme jamais. Et on fera pas les interros. Et on pourra arriver en retard. Et on aura des récréations d'1 heure, 2 heures, 3. Enfin bref. Allez, t'es prêt? On y ouais, va ouais, ouais, je suis... Regardez-moi cette tête. Bon allez, les amis, on se retrouve tout de suite dans la classe en espérant que ça va bien se passer. Allez, c'est bon, vite, rentre. C'est ici. Ah oui, ma caméra, elle est là. J'avais oublié ici. Bon, les amis, c'est bon comme prévu. Elle est en train de dormir parce qu'elle dort ici. Donc là, on va lui verser quelques gouttes de potion magique. Enfin, la potion, elle est dans le sac. T'as pris le sac?
Oui, t'inquiète. Le sac, il est où? Je sais pas. Mais il est où? Il est quelque part, t'inquiète. T'as pas pris le sac? Mais non, j'ai pas pris le sac. Mais je t'avais demandé de le prendre. Oh, les amis, il est où le sac? Tu l'as laissé où? Bah, il est sous la table. Ah, il est là. Oh, punaise. Ah, ça va. C'est bon, on a la potion. Regardez, ne pas boire. Bon, maintenant, écoute, tu vas la réveiller. Ouais. Et tu lui dis, madame, ça se voit que vous avez soif. Bon, d'accord. J'espère qu'elle va pas trop poser de questions. Allez. On va allumer la lumière. Elle est où la lumière de la classe? Les gars, comment ça marche ici? Les amis, on comprend rien à cette classe. Ah, voilà. Madame? Ouais. Madame, qu'est-ce qui se passe? Vous avez soif, tenez à boire. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais là? Madame, vous avez soif? Bah oui, mais bon, qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci? C'est le début de l'école là. Ah bon, déjà? Bah oui, il est 8h du matin. Vous dormiez quand on est arrivé, c'est bizarre madame, vous êtes fatiguée? Oh là là, bah oui. J'espère que vous êtes pas malade comme monsieur Foufou. Ah bah quand même, ça serait dommage. Qu'est-ce qui passe là? Bon allez, vous avez soif, buvez un petit peu. Ah, je vais boire un coup alors. Bon, c'est pas de l'eau, c'est du jus d'orange. Oui, ultra vitaminé. Très très bon. Voilà, comme ça vous aurez une super santé pour nous faire court tous les jours de l'année. Ah bah voilà, c'est fait. Non mais je vous ai pas vu vraiment boire. Ouais. Une goutte suffit. Ouais, une goutte suffit. Regarde. Allez, oui, bah. Là, les amis, elle est vraiment en train de boire, ça va marcher. Regarde. Et nous, après, on part parce que c'est la nuit. Ah, c'est très bon. Par contre, on doit aller aux toilettes. Bon, n'hésitez pas à vous rendormir pendant. Prenez votre boisson. Non, mais vous pouvez la garder. Regardez, les gars. Bah, mais ça, c'est cadeau, c'est cadeau. Buvez tout, même. C'est cadeau. Bon, allez, asseyez-vous. Allez, va. Sors. Qu'est-ce que vous faites? Hop, on va aux toilettes. Et vous aussi, bientôt. Bon, les amis, ça a marché. Maintenant, on va rentrer dans la maison, enfin à notre maison. On va rentrer à la maison et à mon avis dans quelques secondes vous allez voir ce qui se passe dans l'autre pièce. Ça risque d'être très très marrant. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal au ventre, oh là là. Oh, on doit aller aux toilettes. Oh, vite, qu'est-ce qui se passe?